qu'on fasse un triomphe pour conclure cette journée à Johan Bonato, s'il vous plaît. Johan Bonato, je vais le présenter en quelques mots. Quadruple champion de France de, danse classique. Non, de rallye, pardon. C'est quand même important. Donc 2017, 2018, 2020, 2021. Euh, il a fait aussi des nombreux podiums en championnat d'Europe, en championnat du monde. Tu es pilote essayeur chez Michelin et PSA, c'est bien ça ah, il faut mettre le petit bouton en haut là, toc, voilà. Un, deux, un, deux. Bonjour ouais. à tous et merci pour cet accueil. Donc effectivement, je roule beaucoup en essai pour tout le groupe Stellantis et le, le groupe Michelin également. Alors je vais, tu vas me donner une petite bio que je vais lire. Le pilotage te passionne, c'est un peu mieux forcément. Travailler la technique, optimiser les trajectoires, maîtriser la gestion du stress, le dépassant de soi-même au service de la performance. Ça nous parle beaucoup quand même. Il y a beaucoup de relations entre ce que tu fais. Participer au développement, à l'innovation technologique de la voiture, déployer une stratégie d'équipe. Alors, je trouvais ça comme une présentation hyper intéressante parce qu'en fait, c'est excessivement près de ce que nous, on connaît en entreprise dans nos métiers. Euh, et donc, bah, on va commencer par, par quelque chose d'une première question, euh, Johan. Tu parles de perf, tu parles d'innovation. Concrètement, c'est quoi dans ton métier la perf innovation Ça passe par quoi ben, Nous, je pense qu'on fonctionne effectivement euh, relativement proche d'une entreprise. Euh, on a tout un groupe autour de nous qui travaille avec nous et non pas pour nous puisqu'on est, on est vraiment toute une équipe à faire fonctionner un seul objectif. Donc euh, la performance, eh bien, elle vient de la part de l'ensemble des membres qui, qui composent notre équipe, donc euh, bien évidemment le copilote également. Il y a les ingénieurs euh, qui sont là autour de la voiture, il y a les mécaniciens, il y a, on a par exemple des ingénieurs météo, on a des relais météo sur le terrain, on a des personnes qui sont là pour prendre les informations des températures des routes aussi avant qu'on passe. Il y a énormément de choses qui sont là pour le, 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 le bien de la performance en elle-même. Et à cela, bah, on coupe un objectif qu'on se donne en, en début d'année. On essaye de l'atteindre euh, tous ensemble et non pas individuellement. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu la, à la fois la beauté de notre sport et un petit peu sa particularité. C'est qu'on est toujours très mis en avant en tant que pilote. Mais moi, j'ai toujours tendance à rappeler euh, aux yeux de tout le monde qu'un pilote, il ne sert à rien s'il est tout seul. Et il faut bien s'imaginer que c'est peut-être lui qui conclut la chose. Mais on peut conclure que quelque chose qui a été bien construit, on ne peut pas conclure quelque chose qui ne marche pas. Donc, euh, c'est vraiment un travail d'équipe. De... Euh... <laughs> c'est vrai. C'est très juste. Franchement, c'est très juste. Et on parlait de, de copiote, etc. Et on y reviendra après. Il y a un point qui est important dans, dans nos métiers aussi. Bon, l'optimisation, c'est cool. Mais la gestion du stress, le dépassant soi-même. Tu as, as des outils, c'est ta concentration, des exos de respiration. Tu fais du yoga, tu bois un coup, tu te j'en sais rien, c'est quoi <laughs> j j Ça va tu, vous paraître un peu bizarre. mais Moi, je dors, en fait. Ah. Ouais. Moi, je fais beaucoup de siestes, euh, et particulièrement en rallye, quand d'autres n'arrivent pas à avaler euh, une banane ou, euh, ou quoi que ce soit, moi, je m'endors très facilement. Et sur des tout petits laps de temps, ça me permet en fait, d'évacuer le, le stress, parce qu'on a énormément de stress. Et le jeu, euh, dans notre métier, c'est de ne surtout pas le montrer à nos concurrents. Et de vivre avec et de ne pas le laisser transparaître euh, parce que c'est certainement montrer quelque chose de faible, une faiblesse qui peut être tout de suite absorbée par, les, par la concurrence. Donc euh, voilà, on essaye de, de la cacher, mais elle existe, elle est là. Moi, je la travaille aussi avec euh, une préparatrice mentale euh, depuis, depuis mon plus jeune âge parce qu'avant, je faisais de la compétition en ski alpin à un bon niveau hein, parce que j'ai fait du, du ski études et on était intégré les, les pôles France. Donc on a depuis tout petit travaillé, appris à travailler avec un prep mental. Et je continue ce travail-là, et ça permet souvent, même si on a l'impression de répéter les mêmes choses, etc., mais ça recentre la euh, réussite euh, d'un objectif. Et quelquefois, on se rend compte, sans le vouloir, qu'on s'en éloigne, on perd un petit peu les principes de base qui sont ceux qui nous permettent de réussir, et on s'en écarte facilement. Et elle, elle est là, elle nous remet un petit peu dans l'axe, un peu comme peut faire la maman quand on fait un petit caprice au magasin, quoi. J'ignorais cet exercice de, de mini-sieste, en, en vrai c'est vrai, c'est quoi, c'est des micro-siestes 10 minutes, 1 minute Ouais, ou... ouais. c'est vraiment, euh, ça, ça impressionne beaucoup de monde. Parce ouais, que, euh, on ne pense pas à ça du tout, quand on se voit sur un rallye ouais. euh... Non, non, mais par exemple quand euh, j'arrive en avance euh, à un parc fermé et que j'ai par exemple 10 minutes euh, dans la voiture à attendre euh, de pouvoir pointer, bah, pof, je m'endors assez rapidement, assez facilement d'ailleurs, mais... Mais c'est bien, enfin moi j'aime bien faire ça. Donc, si vous <laughs> ça paraît déjà... un peu feignant, c'est faire la pièce, <laughs> mais non, non, c'est quelque chose qui me retient bien et qui surtout me permet de vachement évacuer le stress qu'on a pu avoir dans la matinée et celui à venir. Donc dans vos entreprises, une petite pionce de 10 minutes derrière le PC, personne ne pourra rien vous dire, c'est un bon truc. Canon, mais je suis pas narcotique. Hein, ça n'a <laughs> rien à voir avec ça. On parlait à l'instant de pilotage, de performance, d'optimisation, donc ça force forcément pas la data, j'imagine. La data, c'est un élément, bah, on en a parlé toute la journée, hein. vous savez que c'est hyper important, c'est pas vous que je vais l'apprendre. C'est quoi Tu la collectes comment C'est quoi Enfin, ça ressemble à quoi Alors moi, je ne la collecte pas. Euh, moi, pour les, pour les ingénieurs, je suis entre guillemets un capteur qui va donner une acquisition de données supplémentaires aux ingés. Et je me bats contre ça <laughs> parce que j'ai l'impression d'être meilleur que la data, mais finalement, ce n'est pas vrai. En fait, je suis juste là pour euh, compléter euh, ce qu'on peut voir avec les acquisitions de données prises sur la voiture. C'est-à-dire que l'ingénieur, va me faire une modification euh, quelconque. On va parler, par exemple, euh, pour parler simplement, sans en trop fait, autant de techniques, de différentiel avant. Et il va me demander ce que je ressens. Moi, je vais lui dire bah, voilà, par exemple, je ressens que ma voiture, elle rentre mieux en virage, en entrée de virage, mais elle sort moins bien. Lui, il va prendre les data euh, du différentiel, roue par roue, ce qu'on pourra voir peut-être tout à l'heure. Et il va me dire effectivement là sur tes entrées t'es moins bien et sur tes sorties t'es mieux. Je dis, bah non c'est ce que je viens de dire l'inverse. Et en fait on essaie de, de se comprendre sur ce que je ressens, ce que lui voit au data et de corréler mon ressenti avec euh, avec la data. Et c'est quand on a bien corrélé toutes ces choses là qu'on peut vraiment valider une évolution performante ou pas. Ça c'est hyper intéressant. Enfin la data en elle-même sans ton ressenti tu pourrais piloter qu'avec de la data pure Non parce qu'en fait ça c'est vraiment le truc typique. Euh... De l'ingénieur, alors, c'est toujours un combat rigolo entre l'ingénieur et le pilote. on a un certain nombre devant toi. <laughs> non, mais je dis ça exprès, volontairement. <laughs> c'est que, par exemple, l'ingénieur il va prendre sa data, euh, il va dire, punaise, là, euh, yo, mais t'as freiné euh, mal, quoi. T'as freiné, t'as été vachement hésitant sur tes freins. Moi, je regarde la data, tac, je vois que ma courbe, elle n'est pas bonne, que j'ai n'ai pas un pic d'attaque qui soit bon, etc. Et, et je revisualise le virage dans lequel s'est passé ce phénomène-là. Je dis, non, mais attends, là, Mathieu, c'était euh, Hyper glissant. Euh, après, je reprenais du grip. Après, je reprenais du glissant. Donc, il y a un impact émo émotionnel et terrain qui n'est pas visible sur la data. Et si on s'en base que à la data, ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Sauf que si j'avais réalisé le truc parfait. De la data, je n'aurais jamais pris le virage qui arrivait derrière parce que ce n'était pas cohérent avec le terrain. Voire te casser la gueule. Oui, on, potentiellement. En partie, ouais, ouais, ouais. Et non, dans ça, c'est quoi enfin, c'est avant course, post course, pendant la course, vous êtes connecté. Je vois qu'il y a un micro dans ton casque, je crois, non je sais pas, Oui. Alors ça, non. Moi, je suis pas connecté à l'équipe d'assistance, c'est interdit. Euh, moi, c'est juste le lien avec mon coéquipier parce que les voitures font quand même pas mal de bruit, donc on a juste une radio qui nous permet d'échanger entre nous. Ensuite, euh, c'est après chaque chrono que là, je prends mon téléphone et j'appelle euh, donc l'ingénieur, j'échange. Les voitures, elles sont instrumentées à 100% lors des tests pré-event, lors des tests de préparation, etc. Mais par contre, elles ne sont jamais instrumentées pendant la course. C'est interdit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser la data, si ce n'est les fonctionnalités moteurs de base, essentielles à la protection, on va dire, mécanique de la voiture. Tout ce qui est éléments data de performance sont interdits en compétition. Donc là, on se base que sur le pilote. succès que c'est avant-course et post-course. Oui, exactement. Oui. Toujours comme ça. Non, bah, je, on parle toujours de à, à tes souhaits, On parle toujours de tableau de bord dans, dans une voiture, euh, même dans les entreprises, dans un tableau de bord on le pilote à l'image de ta voiture. J'imagine qu'il n'y a pas 45 canters, capteurs qui sont visibles. C'est centré à l'extrême minimum pour les prises de décision extrêmement rapides. Pour, pour moi, me court J'ai un dashboard qui est euh, très petit. J'ai que des éléments très simples et utiles à ma conduite. Tout ce qui m'est euh, inutile. Euh, on leur fait enlever, parce que moi je ne veux pas de trucs inutiles qui me servent à rien, qui pourraient éventuellement perturber euh, le moment clé euh, quand je roule. Donc j'ai que les éléments essentiels. J'ai même pas des informations de tempé d'eau, tempé d'huile, tempé de frein, j'ai pas tout ça. J'ai juste des alertes qui apparaissent si ça va pas. Mais j'ai pas à suivre une évolution de ma tempé d'eau. Parce que ça pourrait être déstabilisant en fait quand on roule de se dire ah ma tempête elle monte elle monte elle monte parce que ça monte toujours une tempée d'eau puis après ça stabilise puis ça redescend puis ça remonte et je ne voudrais pas avoir à me dire punaise ma tempête d'eau elle monte ma tempête d'eau elle monte et ça c'est forcément des éléments perturbateurs dans, la, dans le pilotage donc j'ai aucun élément autre que mon rapport de vitesse mes lumières qui ce n'est même pas un régime moteur hein, c'est des lumières d'upshift qui me permettent de, de passer mes rapports au régime idéal et ça s'arrête là tout le reste en fait c'est des alertes qui apparaissent si ça va pas donc, c'est un parallèle que je vais faire avec nos entreprises. Pour piloter, on fait simple. On a déjà évoqué le sujet sur plusieurs fois sur des choses. On fait simple. On minimise le nombre d'indicateurs et après coup, on va chercher peut-être le petit détail qui va bien. Mais dans le pilotage opérationnel, c'est forcément du synthétique. Moi, je change de page. En fait, j'ai plusieurs pages sur mon dash. Euh, j'ai ma page race euh, qui est la plus simple. Et dès que je sors de ma page race, tac, change de page. Et là, j'ai tous mes data euh, de la voiture. Et là, je regarde un peu comment s'est passé mon chrono, je regarde un peu ce qui s'est passé dans la spéciale. J'appelle l'ingé, il me dit est-ce que tu peux regarder par exemple toi une turbo ou machin, des trucs comme ça. Tac, je check dans ma liste et là, je vois tout. Mais tout ça, je l'utilise que hors euh, spéciale. Clément, tu sais nous mettre le, la fameuse courbe, c'est là dont on parle de courbe, on t'en a changé ou c'est pas la même courbe Si, si, ça fait partie des courbes d'essai euh, que l'on a. Alors, ce n'est pas ce qu'on utilise en cours, cette courbe-là, on n'y a pas droit. C'est le powerpoint, mais ça arrive j'imagine Clément. Il, oh, oui. il vient des deux Alpes, donc il permis hein, a... A... Enfin, de fait bon timbre pour pouvoir dans il le dossier. Là. De, il doit être pas très très loin. Ce... Bref, on va, pendant qu'il le trouve sur ce dashboard là, je voulais faire un parallèle à le bal. Ben, voilà, tu sais, fin, nous on y comprend. Alors, moi, vraiment rien, je crois que c'est de la bourse, mais concrètement, ça veut dire, ça veut dire quoi Alors, ça veut dire c'est tout simple et très compliqué. C'est pas du tout mon élément, c'est pas mon domaine. Simplement, euh, quand on en discute avec l'ingé. C'est important qu'on se comprenne sur ce que moi je ressens et qu'on puisse dire, bah voilà, par exemple, à cet endroit-là, il s'est passé ça. Donc euh, là-haut, la courbe blanche, c'est mon régime moteur. Ensuite, la courbe verte, c'est ma pédale d'accélérateur. Donc c'est simplement mon angle de pédale par rapport à un 0% qui est là. Donc ici, je lève. Quand je lève, en général, j'actionne les freins. Donc ça, c'est ma pression de frein euh, avant-arrière. C'est ça. Pression de frein avant en jaune, pression de frein arrière. Donc là, j'ai le pied levé et là, je reprends gaz. Une action, vous savez ce que c'est, ça C'est ma pression de frein arrière quand j'ai un pic comme ça Il y en a qui ont une idée ou pas Voilà, c'est le frein à main. Frein à main ouais, ça, c'est l'action du frein à main. Donc au moment où en fait, je, je reprends gaz, j'ai fini de freiner, j'ai fini d'actionner le frein à main, je reprends mon gaz et, euh, et, je, reprends, et je reprends là. Ça, euh, ce sont mes vitesses roues indépendantes. Donc roues avant-gauche, avant-droite, arrière-gauche, arrière-droite. Et ça, c'est les différentiels de vitesse entre les roues. Si par exemple euh, sur nos voitures, euh, pour faire simple, on a euh, un différentiel avant un différentiel arrière, on n'a pas de différentiel central. C'est-à-dire que toutes les voitures de notre catégorie là et des WRC sont réparties 50-50. Et on joue. Donc ça, ça veut dire que c'est une voiture qui ne s'est pas tournée. S'il y en avait les quatre roues qui tournaient à la même vitesse, c'est un petit peu comme un, un gros 4x4 bloqué, la voiture ne tourne pas. Donc on, on fait des travaux sur les différentiels indépendants. Pour pouvoir permettre aux roues d'être libres l'une par rapport à l'autre. Et ça, c'est les différences de vitesse de roue arrière et avant sur les blocages. Donc, ça, c'est un frein. On a les roues arrière là, qui se bloquent avec le frein à main. Et ensuite, sur la reprise des gaz, pareil, on peut avoir des emballements. Si j'ai un pic, par exemple, moi je dis euh, à l'ingé, je dis bah avec ce différentiel là, par exemple, euh, j'ai l'impression de prendre de l'emballement de roue avant et du survirage arrière brutalement. En général, ce qui se passe quand on dit ça, j'ai une roue avant qui s'accélère très vite. Et vu que la vitesse moyenne des roues avant doit être égale à la vitesse moyenne des roues arrière parce qu'il n'y a pas de différentiel central, oui. c'est les roues arrière qui prennent le delta de vitesse d'un seul coup. Et donc du coup, je me retrouve comme avec une propulsion. Et ça, on peut très bien l'expliciter là. On ne le voit pas là parce qu'il n'y a pas de cas, mais on pourrait très bien voir une accélération d'une seule roue, et là, deux accélérations d'un coup des deux roues arrière qui me prennent en survitrage. Donc ça veut dire que mon diff avant est beaucoup trop libéré et qui génère du patinage. Donc Dans ce cas, on, on corrige le truc. Là en bas, j'ai mes rapports de boîte, je crois. Ah non, c'est les... Ouais. Alors, il m'a pas mis le... Ah si, ça, c'est le volant théorique. Donc là, j'ai mon survirage sous-virage, avec l'angle le, le volant, le, volant, qui est le rouge, et l'angle idéal par rapport au survirage de la voiture ou au sous-virage. C'est-à-dire que normalement, les deux courbes-là, elles doivent être le plus collées possible. Si elles s'éloignent, soit en sous-virage, soit en survire. Donc si par exemple, j'ai du sous-virage... Je lui dis, j'ai du sous-virage dans ce viral-là, tac, on va checker sur les acquis. Et lui me dit Ah, bah, je ne vois pas trop, ça a l'air assez bien et tout. Donc euh, voilà, ça peut être des choses qu'on peut, qu peut corréler ensemble. Quoi. Et là, en bas, après, c'est léger latéral et les, les, les gélongies. Et ça, c'est mes, mes rapports de boîte. Pour quelqu'un qui ne sait pas le lire. Euh... Oui, mais je... <laughs> c'est très grossier. Hein, c'est un peu plus compliqué que ça euh, dans leur réflexion à eux. mais... Moi, je dois savoir à peu près comment ça fonctionne pour qu'on puisse en discuter et échanger euh, dessus. Et je pense que ça fait quand même un petit peu la force du pilote essayeur et de développement. C'est de pouvoir et bien de pouvoir expliciter, par exemple, un problème. Il me dit, ah bah là, qu'est-ce qui ne se passe pas Je dis, non, oh, mais là, c'est le terrain qui nous génère ça, ce n'est pas la voiture. Donc, attention à ne pas faire d'amalgame entre euh, l'acquis qu'on a donné là et le terrain qui génère ce problème-là. Je vais poser une question très bête, j'en excuse par avance. Tu, tu, tu mémorises une spéciale dans ta tête et tu enfin, comment tu sais à quel temps tu es comment enfin, tu tu rappelles à chaque virage chaque côte chaque boss Non alors euh, ça comme je le disais c'est que sur les séances de test. Ça tous ces ah, systèmes là okay. d'instrumentation sont interdits en course. Donc en séance de test oui, les séances de test en général quand on roule en test c'est sur des routes de 2 3 4 km qu'on répète toute la journée pendant 150 200 km. Donc on arrive à savoir où on se situe. Là ce que j'ai pas que j'ai habituellement c'est une trace GPS aussi qui apparaît où je sais exactement dans quel virage on est, et puis moi je connais ma base par cœur au bout de la journée, même avant en général, des fois. Pas tout le temps. Mais du coup, ça permet de corréler l'endroit où ça se passe mal ou l'endroit où ça se passe bien, et puis faire des comparos surtout d'un run à l'autre, parce qu'on peut superposer cette table d'acquis-là avec une autre table d'acquis euh, l'une sur l'autre, pour comparer les différentes évolutions sur la voiture faite, et voir là où on gagne, là où on perd. C'est un métier d'a priori, de sensation, etc. Mais en fait, c'est juste hyper mathématiques, statistiques Non, moi, moi je, en, le premier feeling que je donne, je sors de la voiture, je ne regarde pas du tout ça, je donne mon feeling euh, de pilote en ressenti pur. Je dis voilà ce qui s'est passé, c'est passé ça, ça, ça. Bien souvent, on travaille même à l'aveugle. Alors moi, j'aime bien savoir sur quel axe on s'oriente dans, dans la partie de la voiture, par exemple si on fait de l'amortisseur, si on fait du différentiel, si on fait du frein, si on fait la, la partie sur laquelle on travaille, mais par contre, je, je préfère ne pas savoir dans quelle direction on va pour que mon jugement ne soit jamais faussé par rapport au au ressenti que j'ai quand je sors de la voiture je donne mon avis sur ce qui s'est passé et ensuite lui il check là, il regarde si c'est cohérent avec ce que j'ai dit s'il y a une incompréhension, on vient se caler là-dessus tous les deux s'il y a un truc qu'on n'a pas compris, ben on refait et ça, ça arrive, hein. c'est jamais tout parfait, hein. c'est très très compliqué mais j'ai envie de dire que ça c'est assez simple parce qu'on a beaucoup d'acquisitions de données sur la voiture ce qui est encore plus compliqué pour moi c'est toute la partie pneumatique Partie pneumatique, c'est vraiment très très dur à faire parce qu'on n'a pas d'acquis sur les pneus. Ça ne se mesure pas Non, sur les pneus, ça ne se mesure pas. En fait, ils ont tous leurs calculs théoriques, eux, euh, euh, à la maison. Par exemple, moi je travaille avec Michelin, donc euh, eux, ils calculent leurs trucs. Il y a plein d'éléments différents qui rentrent et là, c'est vraiment que du feeling qui permet de dire, euh, bah voilà, là ça marche. Alors, on a ces instrumentations-là, mais pas sur le pneu en lui-même. On a les conséquences de ce qui s'est passé avec le pneu, mais on n'a pas forcément euh, la raison pour laquelle le pneu a fait ça. Quoi. J'ai une question encore un peu étrange, mais le copilote, on connaît tous le rôle du copilote, machin, ton à gauche, en à droite, j'imagine. Mais il fait que ça ou il a vraiment un, un truc avec toi qui va te permettre d'aller plus vite, plus fort? Non, il est clairement indispensable. En fait, le, le, le rallye, ça fonctionne, euh, c'est pas du tout comme euh, on peut l'imaginer, de la course d'orientation ou euh, le, le copilote. En fait, il. il... cest à je vais dire, bah voilà, ça c'est un virage, donc... Pour faire simple, il y a plein de manières de noter un virage. Il y en a qui notent euh, en vitesse de passage, d'autres en rapport de boîte. Euh, moi, j'ai choisi l'angle géométrique euh, en me disant que l'angle géométrique, quelles que soient les conditions de route, de neige, de glace, lui, l'angle géométrique, il évolue jamais, alors que un rapport de boîte, il sera toujours différent selon que l'on passe sur la neige, sur le sec, sur le mouillé, etc. Donc, on note tous les angles géométriques de chacun des virages avec les distances séparant chacun des virages. Lui, il écrit tout sur un cahier et après, il se doit de retransmettre ces informations dans le bon timing. À vitesse de course, sans avoir pu s'entraîner avant réellement quoi. Et ça c'est fait à la main. Ça c'est fait à la main, ouais. C'est très, wow. mais c'est en fait c'est important de le faire à la main. Je pense qu'aujourd'hui un, un système fait par le copilote à sa manière qui lui donne ses rythmes, ses, ses moments où il peut se reposer, ces moments-là, là, là c'est vraiment du feeling. Le copilote il doit et puis surtout il doit être en cohérence avec ce qu'il a besoin de son pilote. Il y a des pilotes qui ont besoin d'avoir beaucoup d'avance, qui ont une très bonne mémoire qui se rappelle de beaucoup de notes, d'autres qui en ont très peu. Euh, qui doit avoir l'information presque au dernier moment pour pas avoir à la mémoriser à s'en rappeler donc voilà c'est un petit peu à l'appréciation de chacun, différent chez tout le monde avec une annotation différente chez tout le monde aussi c'est hyper impressionnant, l'année dernière on avait reçu ici pour ceux qui étaient là le, les, les coachs du LOX et il nous disait qu'en fait il y avait bon il y a plein de choses, tu parlais de la neige etc mais il parlait aussi de, de ressenti purement humain je suis malade, j'ai mal au bide, je suis de mauvaise humeur, j'ai mal dormi ou je me suis engueulé avec ma femme peu importe c'est con, hein, mais ça ça va forcément jouer sur ta conduite. Non, mais l'impact émotionnel et... dans tous les sports, il est primordial. C'est-à-dire que l'état du moment, la dangerosité des chronos, la difficulté des chronos, il euh, y a plein d'éléments et d'événements qui peuvent se passer qui peuvent perturber un petit peu le, la confiance du pilote sur le moment. Enfin, il y, y a énormément de choses qui peuvent être déstabilisantes hein, pour, pour un pilote. Ça, tu ne le décorèles pas de ta courbe. Tu l'interprètes, tu, tu, tu dis Ah non, je suis mais par contre, par contre, je vois par exemple, si je vois que j'arrive à enchaîner des freinages un peu merdiques. Euh, mauvais pardon euh, euh, je sais que là c'est pas normal et que je devrais pas faire ça sachant que le terrain il est bon et que voilà ça veut dire que je me bouge un peu les fesses et que je me réveille que je suis pas dans le truc quoi une question un peu, un peu étrange là c'est vraiment quantitatif tu vas arriver le premier, meilleur chrono meilleur truc mais est-ce qu'il y a, 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 qu a d'autres objectifs aussi de se dire euh, toi qui es essayeur aussi donc il n'y a pas forcément que la alors, tu, gagne pour, tu joues pour gagner forcément mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs aussi d'aller faire gagner le collectif parce que on pense que l'automobile c'est seul mais en fait, c'est une écurie, c'est une équipe d'ailleurs Est-ce que comme au punch de coupe, est-ce que comme au vélo, on peut se dire, bah non, il est derrière, euh, laisse-le passer parce que non, ça marche pas. Comment ça marche Alors euh, ça, ça marche chez les constructeurs euh, qui embauchent leurs pilotes dans un objectif de titre euh, constructeur. Là, il y a clairement une hiérarchisation euh, soit du pilote prioritaire numéro un, ou alors euh, une priorité sur le titre constructeur et après le titre pilote en second plan. Nous, dans l'équipe dans laquelle on est, on court pour un titre team, on court pour notre titre personnel, on va dire, mais rarement on est en coéquipier avec notre concurrent d'équipe. Le concurrent d'équipe, ça reste un concurrent d'équipe, et bien souvent, c'est quand même devant celui-là qu'il faut être. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a énormément de paris avec nos métiers au quotidien. Enfin, on verra après comment vont son réaction. Et puis, euh, une question un peu, à fois que tu le c'est là parce que toi, elle est un peu étrange. Je l'ai envoyée, mais je ne suis pas sûr que tu l'avais vue. Euh, à partir de quand on passe de conducteur à pilote Alors, je, je pense qu'on ne, ne passe pas de l'un à l'autre. On est pilote ou alors on est conducteur. On ne peut pas devenir <laughs> conducteur pilote. Non, 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 je pense que c'est comme tous les sports euh, qui demandent de l'entraînement, qui demandent une notion d'apprentissage. Euh, c'est très différent. On ne conduit pas du tout de la même manière qu'on ne pilote. On, D'ailleurs, on ne peut pas et il ne faut pas ce serait pas bien de dire qu'on peut essayer mais euh, non c'est un apprentissage c'est beaucoup d'entraînement c'est une forte envie de réussir aussi je pense que la base elle est là et la forte envie de, envie de réussir elle te permet de progresser plus rapidement et je pense que c'est comme ça qu'on fait le lien entre le, la conduite et le pilotage mais avant tout euh, ça reste un métier passion ça reste euh, voilà ça reste un beau sport en tout cas à, à nos yeux de pilote et c'est c'est très complet. Il y a, il y a le, à la fois le sport d'équipe, à la fois la partie individuelle, à la fois la partie cérébrale, à la fois la partie engagement, prise de risque. C'est très dangereux comme comme sport. Donc euh, c'est euh, c'est un sport qui est très complet euh, en tout cas on trouve Alors si on vient pas de conducteur à pilote, combien on devient pilote On devient pilote. Euh, alors il y a plein de manières. Je pense qu'il n'y a pas de règle. Euh... tu viens du ski Oui. Moi je viens du ski. Ouais. Moi j'ai en fait j'ai démarré le le, le rallye assez tard, puisqu'en fait aujourd'hui il y a beaucoup de pilotes qui démarrent par le karting, qui font les formules depuis tout petit et tout. Moi j'ai pas du tout fait ça, j'ai démarré le, le rallye à l'âge de mes 18 ans parce qu'il faut le permis de conduire en France pour pouvoir démarrer le rallye. Et j'ai démarré par les formules de promotion. Donc les formules de promotion ce sont les constructeurs qui organisent des formules monotypes avec tout le monde de la même voiture, jusqu'à une certaine limite d'âge. Et le vainqueur de cette formule de promotion... Obtient son premier statut pro chez le constructeur. Et à partir de là, il bah, faut réussir à garder sa place et faire son, son petit bonhomme de chemin. Mais il y, y a des filières qui existent euh, pour aider les jeunes pilotes sans avoir trop de moyens, même si ça reste toujours un sport très onéreux, pour pouvoir accéder au haut niveau. Après, tu as ceux qui ont les moyens de base, avec euh, voilà, des familles un peu plus fortunées et tout, qui arrivent tout de suite au haut niveau, avec des grosses voitures, mais qui n'ont pas forcément tout de suite le niveau pour être avec les meilleurs, mais qui, à force de faire, y arrivent aussi. Quoi. On va faire un petit parallèle que j'aime bien faire. Après, je crois des questions. Pilote de rallye, pilote de projet, euh, pilote d'entreprise, pilote d'avion, euh, chef d'entreprise, ce que tu veux. Ce n'est pas très éloigné, on l'a vu sur plein de points. C'est quoi les parallèles que tu pourrais faire et surtout les conseils que tu pourrais distiller, nous, quand on fait, quand on gère un pilote, quand on est pilote de projet, quand on est voilà. C'est quoi les parallèles qu'on peut faire avec nos jobs, nous, au quotidien Et tes conseils, hormis la sieste de 5 minutes, qu'est-ce que tu pourrais nous balancer La sieste au boulot, ce n'est pas bien vu. Quoi, hein <laughs> pas encore. <laughs> Euh, non, mais moi, je, par exemple, euh, il y a Fred Marcy ici, qui est un de nos partenaires depuis très longtemps euh, en rallye, avec qui euh, j'échange beaucoup sur, euh, bah, sur la vie de tous les jours au boulot, en fait, et on se retrouve assez souvent avec euh, les mêmes euh, problématiques. En tout cas, on arrive à faire des liens l'un avec l'autre. Alors des fois, il m'écoute qu'à moitié, et puis moi, là, des fois, c'est dans l'autre sens. Mais, mais on se retrouve souvent sur les problèmes de... Moi, j'ai pas l'impression d'avoir... à faire fonctionner une entreprise alors que ça l'est réellement. C'est vraiment une entreprise qu'on qu 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 fait gérer, qu'on essaye de faire gagner, qu'on essaye de faire progresser à taille humaine. Euh, C'est beaucoup de la relation humaine, mais il faut des compétences techniques aussi. C'est-à-dire que notre équipe, si elle n'avait pas les compétences techniques pour y arriver, un petit peu de matos pour pouvoir nous faire des voitures performantes, ben, on n'y arriverait pas quand même. Donc il y a un moment, il faut quand même avoir le, le, la volonté humaine, les relations humaines, le matériel pour pouvoir y arriver. Et je pense que tout ça, cumulé, fait qu'on arrive à avoir des belles équipes et des, des beaux projets derrière qui réussissent. Quoi. Il y a un sujet qui est un peu d'actualité, l'IA. Je sais, tu vois, je sais pas si c'est possible, mais est-ce que déjà réglementairement c'est jouable ou pas Mais est-ce que demain l'IA va s'inviter dans ton job, dans la bâture, pour te copiloter Ou est-ce que ce n'est pas du tout envisageable demain déjà ça Alors pourquoi pas Mais je trouve qu'on perdrait une partie du charme de notre sport, euh, dans le sens où, comme je le répète souvent, c'est la relation humaine qui fait la beauté de notre activité. Et si on se retrouve euh, avec un copilote qui n'est autre qu'un GPS, en fait, ça serait, ça serait ça, je pense, la base du, du truc. Je pense qu'on perdrait un peu le charme. Après, il y a tous les faits aussi où, où moi, je corrige en course. Euh, par exemple, je vais lui dire, bah, tiens, là, je me suis planté dans la note. Et elle va me dire, par exemple, je ne sais pas moi. Est on 140, aussi une relation. Enfin, il y a cette relation. Même des fois, moi, je ne vais pas corriger parce que je suis au taquet complet. On s'est mis une grosse chaleur en 5. Je vais être en apnée pendant encore les 10 secondes qui suivent le virage. Et puis, lui, il va faire sa petite annotation parce qu'il sait qu'on s'est mis une chaleur à cet endroit-là. Et puis, ça va permettre d'en reparler à la fin du chrono. Et je vais lui dire, punaise, oui, as raison. Là, euh, il ouais, ouais, faut qu'on baisse la note. Et ça, je pense que c'est pas remplaçable. C'est ce que je voulais t'entendre dire, c'est pour l'instant, l'IA n'est pas encore assez pertinente ou assez puissante pour venir te co-guider. Non, c'est bien pour venir à Lille, au LOSC, quand, <laughs> quand tu viens des deux Alpes. Et puis, euh, ça non mais un GPS. Ouais, c est, c est ça. Non, mais je pense que ça perdrait une partie du charme et je pense que ça perdrait une partie de la valeur ajoutée du copilote humain. Quoi. Si on parlait un tout petit peu de toi pour finir un peu là-dessus, c'est quoi les prochaines courses T'en es où là dans la saison et c'est quoi les prochains challenges que tu te donnes alors là, on a encore deux manches en championnat de France à faire. On est actuellement leader du championnat de France. On a, on a déjà quatre titres en, en championnat de France, donc ça ferait euh, le cinquième. On est co-recordman du nombre de titres avec quatre. Si on pouvait en avoir cinq, bon, on serait seul, donc ça serait sympa. On a gagné euh, une manche en championnat d'Europe cette année. On a fait la moitié du championnat. On termine cinquième du championnat. L'année, on termine troisième. On a gagné une manche aussi en championnat d'Europe. Donc j'aimerais bien pouvoir terminer une belle saison là comme on l'a fait depuis le début de l'année. Et puis euh, voilà, après chaque année, et renouveler d'incertitudes. Chaque année, euh, voilà, on doit refédérer des partenaires. Chaque année, on doit remettre la machine en route pour euh, remotiver tout le monde, embarquer tout le monde dans notre galère, entre guillemets, et, et fédérer les gens autour de nous. Ça fait partie aussi du boulot. Hein. Le pilotage, finalement, c'est que la petite partie sympa du, du truc. Mais bon, voilà, il faut savoir aussi euh, amener des gens avec nous. Et tout seul, on ne serait pas capable de le faire. C'est est top. Veux... Est-ce qu'il y a des, des observations dans la salle, etc. Avant que je pose ma question ultime, est-ce que euh, buckin veut poser une question à Johan Vous êtes extrêmement timide hein, ce soir. Je ne vais pas vous lâcher. Personne ne veut poser une question. Sans déconner. En fait, il le code de champion de France et personne n'a de question. C'est vrai Bon. Eh ben, ah, pardon. <laughs> De Entre, ouais, mais C'est bien parce qu'il y a énormément de skieurs qui ont, euh, qui ont un, une reconversion dans le, dans le sport automobile. On, a, on pense notamment à Luc Alphand, il y a, y a pas mal de pilotes qui ont été bons, euh, Guerlain chicherite également. Il y a beaucoup de liens, sauf celui de la glisse, qui est effectivement le seul auquel on pourrait penser au départ, mais qui n'a rien à voir avec la glisse en, en ski et en, en sport automobile. Par contre, tout ce qui est notion de prise de risque, de trajectoire, d'engagement, de vitesse, euh, défilement de paysage, euh, ligne de course, ne pas perdre de l'élan. Parce qu'en voiture, on a un moteur qui nous permet d'accélérer, des freins qui nous permettent de freiner, mais pour aller vite, il faut garder l'élan. Et en ski, on n'a pas ces éléments-là. Et si on va aller vite, il faut garder l'élan aussi. Donc, toute cette notion-là de, de conserver sa vitesse, ne pas freiner sa voiture, comme ne pas freiner ses skis, on retrouve beaucoup, beaucoup de choses très similaires là-dedans. Et ce qui fait que beaucoup, beaucoup de bons skieurs, très bons skieurs, sont devenus très bons pilotes. Quoi. Excellent. Oui, oula, je m'adamne, on prend une sucette parce que c'est très très loin, on ne va pas entendre. Ah, bonjour. Comment on ressent, est-ce que c'est une pression ou c'est une énorme motivation d'avoir les deux plus grands champions euh, de pilote avec 8, les deux Sébastien Loeb et Ogier pour ceux qui ne connaissent pas Est-ce que c'est une pression ou une motivation euh, Non, je pense qu'ils serait très, très contents tous les deux de me connaître. Euh... <laughs> Ils ont beaucoup de chance. Non, je, bien évidemment, je plaisante. Euh, on les connaît très bien. Alors, euh, je vais faire très simple. Euh, quand j'étais en équipe de France de rallye, euh, bah Fred est bien placé pour le, pour le savoir. C'était en 2008-2009. Euh, lorsque je me suis fait virer de l'équipe de France, c'est parce qu'ils ont pris Ogier. Donc, en fait, on était deux à décider entre guillemets de quel était celui qui allait passer euh, la marche supérieure. Il n'y avait qu'une place. Et donc, c'est à ce moment-là Ogier a fait son, sa carrière en équipe de France et qu'il a eu la carrière qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, euh, ils ne se sont pas loupés dans leur choix. Hein. Est-ce que nous, on aurait fait aussi bien ou pas ça Malheureusement, on ne peut pas le savoir. Et c'est eh Blob. Ben, ça a été celui qui a un petit peu euh, démocratisé euh, le rallye en France, qui a fait connaître euh, au grand public, même si la France était quand même déjà euh, bien connue dans le, dans le monde du, du sport automobile. J'ai eu la chance cette année d'ouvrir euh, au Monte Carlo, enfin l'année dernière, d'ouvrir euh, pour Sébastien Loeb justement euh, avec lui quand il a remporté son Monte Carlo quand il est, il est revenu. Et c'est des personnes qui ont eu un impact en tout cas dans le dans le rallye, même pour nous, pour euh, fédérer des partenaires, pour amener de la passion aux gens. C'est des belles références qu'on présente et c'est des belles images des gens. Donc euh, ça fait ça fait un beau sport en tout cas pour les gens qui connaissent de loin euh, l'activité. Tes partenaires, c'était sponsor, c'est ça. Hein oui, les sponsors, pardon. Chaque année, tu vas, tu vas continuer un peu comme nous, ce qu'on fait au Power365. Chaque année, tu vas rechercher des nouveaux sponsors. Oui, mais en fait, ça fait partie de, il n'y a pas de réussite sans aide. Euh, ça, c'est vrai. C'est impossible de, de monter des, pro, des programmes comme on le fait nous, euh, comme chacun tente de le faire à son échelle, parce que c'est aussi difficile de monter un petit projet avec peu de visibilité qu'un énorme projet avec beaucoup de visibilité, parce que finalement, les, les sommes sont toujours un peu différentes. Et sans, sans partenaires, sans gens qui, qui se mettent autour de nous et qui fédèrent aussi d'autres partenaires, on n'y arriverait clairement pas. Donc euh, voilà, ça reste. C'est un milieu dans lequel on est nous, qui est professionnel, mais qui fonctionne sur du 100% amateur, on pourrait dire, parce que c'est vraiment du. Voilà, il faut. On n'est pas embauché par une entreprise. C'est à nous de créer notre notre partenariat autour de nous pour pouvoir monter nos programmes. Excellent. Est-ce qu'il y a une ultime question pour pour Johan Vraiment, personne avant de aller boire. Un... Sucette, s'il vous plaît, monsieur. Sucette arrive. Allez ah, Clément. Oh. J'en ai une sur le, sur, sur le changement euh, de, con, de concept. Euh, T'es pilotes de course, pardon, pilote de rallye professionnel sur du thermique. Est-ce que tu te vois pilote de course sur du l'électrique? Ou oui, propos, je ne l'ai pas rallye, la question. électrique. Je l non, mais moi, je, je l'ose, moi. Non, mais c'est une super question et qui est très très compliquée pour nous. Qui va changer très, en fait très délicate. En fait, euh, moi, j'ai eu l'occasion de rouler en développement pour le groupe Stellantis avec les voitures 100% électriques. Clairement, et ça va sûrement vous surprendre, c'est génial à rouler. Une voiture électrique, c'est génial à rouler. C'est très plaisant, mais c'est très égoïste. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune sensation pour les gens qui regardent. Il n'y a aucune sensation pour euh, le grand public. Le, le bruit, l'odeur Il n'y a rien. Il mmh. n'y a rien du tout. Donc, c'est très sympa à conduire pour le pilote, mais ça reste un plaisir que l'on fait pour le public, nous, notre, euh, notre activité. Et là, il en perd un peu son charme. Et l'engouement, oui, le avec le raisonnement dans les spéciales du Monte-Carlo, avec euh, tout ça, on le perd et on perd l'essence même du, du rallye. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, on est obligé, dans la conjoncture actuelle, de montrer qu'on est sensible à cette évolution du climat et qu'on n'est pas complètement buté dans notre thermique 100% consommation à bloc euh, énergivore au possible. D'ailleurs, ça, ça bouffe combien une voiture comme ça C'est une, une, ca de... une catastrophe, mais par contre à l'échelle <laughs> de l'événement. Non, mais si on le ramène. En fait, ce qu'il faut, c'est ramener le, 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 la consommation de ta voiture et la, la, on va dire la pollution que génère ta voiture à l'échelle de l'événement. Ça représente à peine 5% de la de, de ce que génère le rallye en lui-même c'est à dire le déplacement des spectateurs ouais. C'est le, le, vrai, le vrai problématique c'est l'événement qui est créé, en fait qu'on fasse du sport automobile ou une course de vélo ou un concert un, thé, un, un gros concert ici dans le stade par exemple, c'est l'environnement qui est fait autour de ça qui va, qui va générer la plupart, la plus grande pollution quoi, donc en fait euh, ouais. on est un peu matraqué parce que c'est l'automobile et que ça a été la mode pendant un moment de matraquer l'automobile mais on peut pas dire que ce soit quelque chose qui est, qui est neutre parce que ça l'est pas dire qu'on est sensible c'est vrai et quelle est la meilleure solution pour faire perdurer notre sport sans perdre son âme, mais en montrant des évolutions, ce n'est pas évident. Oui. Par contre, je ne suis pas sûr que ces spectateurs-là qui viennent en voiture électrique ils viendraient pour des placements de course de voiture électrique. Mais ça, c'est un avis est per, qui est uniquement personnel et, et j'en ai vraiment aucune idée. On s'avance sur un terrain qui est très glissant. Euh, Monte-Carlo, ça glisse. C'est jamais évident d'arriver au bout d'un Monte-Carlo. Donc là, je ne sais pas dire quelle est la bonne solution et vers quoi faut qu'on se tende. Moi, la seule chose que j'ai envie, c'est que mon sport il continue d'exister, qu'on ne se montre pas complètement buté et qu'on veuille faire évoluer notre sport, mais qu'on n'en perde pas l'ADN et le charme qui fait que ce sport, il est populaire et qu'il est aimé des gens. Très juste. C'est une belle conclusion. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un... Clément non, ah non, c'est pas toi qui voulais pas. Bah. Vas-y. Euh, là, on voit une voiture, c'est une dernière C3. Avant le début de saison, combien, en tant que pilote d'essai, ça te prend de temps pour arriver au résultat Du moins, combien de data et de temps ça te prend pour arriver à une voiture opérationnelle en course, on va dire Alors, une voiture, euh, quand démarre sa conception euh, au bureau d'études, jusqu'à euh, son premier roulage en course, il faut environ deux ans, deux ans et demi. Ouais, donc il y a la, le, le dessin papier et ensuite enfin papier informatique etc. Et ensuite il y a les premiers roulages, euh, les évolutions des pièces, qui va pas etc. Ça prend deux ans, deux ans et demi. Fabrication d'une voiture de course, ça prend deux ans, deux ans et demi. Ensuite, sur chacun des événements sur lesquels on participe, qui sont tous très différents les uns des autres. Par exemple, quand on va aller courir sur un rallye comme la Catalogne ou les Canaries, et puis que derrière on va se retrouver au Monte Carlo sur de la neige, de la glace, Catalogne, Canaries ou alors sur de la terre au Portugal, en Hongrie, etc. On a des ajustements de setup à faire, et ça, ça peut prendre encore, si à la course à laquelle on va participer. Personne ne se lance. Tout le monde est partant pour aller boire l'apéritif, c'est ça Je vais demander, s'il vous plaît, une innovation pour bonne Bonato. S'il vous plaît. Merci.